Mesdames et messieurs, bienvenue dans la chronique scientifique du lycée français international de Bangkok, plus communément appelé le CSLFIB. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par trois lycéens des plus fameux dans le pays, Maïlys Fage, Julius Bouyan et Satine Laboupe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'atome, cette chose méconnue malgré son importance dans notre monde. Nos trois intervieweurs présents sont allés interroger des passants dans le lycée afin de voir si notre société est vraiment ignorante à ce sujet. Premièrement, Maïlys va nous parler de l'histoire du modèle atomique. Ensuite, Satine va nous parler de la composition de l'atome. Et pour finir, Julius va nous parler des caractéristiques de l'atome. Maïlys, la parole est à vous. Merci bien, Mao. Donc, d'abord, j'ai interrogé Madame Dupuis par rapport au tableau périodique. Qui a généré la classification périodique et le tableau périodique des éléments ? C'est la classification de... Non, je sais pas. Enfin, je l'ai su, mais je sais plus. Merci. Comme entendu, elle ne savait pas, mais la bonne réponse était Dmitri Mendeleïev, un chimiste russe. Il avait classifié 63 éléments étant les seuls connus à cette époque dans un tableau en fonction de leurs propriétés et masses atomiques croissantes. Dimitri avait aussi laissé des cases vides dans son tableau dans le cas où on découvrirait plus d'éléments. Et il avait bien raison de le faire. C'est justement donc grâce à son tableau qu'on obtient le tableau qu'on connaît aujourd'hui. On se retrouve avec 118 éléments chimiques classifiés selon leurs propriétés et leur numéro atomique Z croissant. Merci bien pour cette première intervention, Madame Fage. Maintenant, la parole est à Satine Laboupe qui va nous présenter la deuxième intervention avec un autre enseignant à propos de la composition de l'atome. Satine, on vous écoute. C'est un plaisir d'être présente aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai questionné M. Villassa par rapport à l'atome et sa composition. Selon vous, comment définissez-vous l'atome ? L'atome ou l'atome ? L'atome. L'atome, c'est un élément... Comment on pourrait dire ça, un élément fondamental qui permet de constituer des éléments plus gros qui sont les molécules et qui est constitué d'éléments plus petits qui sont quoi les ions. Une partie de la réponse de M. Villassa est correcte. Les atomes composent bien les molécules, mais aussi toute matière qui nous entoure. Cependant, les atomes ne sont pas composés d'ions, comme nous informera Julius plus tard. Merci bien pour ces deux interventions qui ont été plus qu'intéressantes. Nous pouvons donc déjà voir que la plupart des adultes interviewés n'ont pas répondu correctement. Espérons que notre prochain invité puisse changer la donne et nous fournir une bonne réponse. Monsieur Bouyan, nos éditeurs vous écoutent. Donc pour ma question, j'ai choisi d'interviewer une élève au lycée au lieu d'un adulte pour ma question. Par quoi est déterminée la charge électrique d'un atome et quelle est la charge d'un atome ? Il y a les protons qui sont positifs, les électrons et les neutrons. Du coup, les protons sont positifs, les neutrons sont neutres, les électrons sont négatifs, alors c'est une charge neutre pour l'atome. Effectivement, c'est la bonne réponse. La charge d'un atome est généralement neutre, et c'est-à-dire qu'il y a autant de protons, charge positive, que d'électrons, charge négative dans son noyau. La charge électrique d'un atome est neutre lorsqu'il possède le même nombre de protons que d'électrons. Cependant, s'il gagne ou perd des électrons, il devient un ion, dit cation si la charge est positive et anion si la charge est négative. Pour revenir à l'interview de Satine avec M. Villassa, les ions ne composent donc pas les atomes. Merci bien. Pour une dernière fois, Maïlys Fage va prendre la parole pour nous faire part d'une dernière question posée à Madame Dupuis. Avec Madame Dupuis, je lui ai demandé cette fois-ci une question par rapport aux personnes qui ont modélisé les premières représentations graphiques de l'atome. Qui est à l'origine d'un des premiers modèles atomiques ? Indice, c'est un philosophe grec de l'Antiquité. Le premier... Un des premiers à avoir parlé de la notion d'atome, en fait. Qui a un peu généré un modèle atomique, en fait. Je ne sais pas. Essayez. Un philosophe grec. Grec, Aristote peut-être ? La réponse de Madame Dupuis est bien correcte. Aristote est bien un des premiers à avoir généré le modèle atomique. Il pensait que la matière était divisible et que les atomes n'existaient pas comme on ne peut
comme on ne pouvait pas les voir à l'œil nu. C'est à cause de cela qu'il disait que la matière était composée principalement de quatre éléments. L'air, l'eau, la terre et le feu. Ceci devint l'idée principale qu'on avait de la matière pendant des siècles et des siècles. Cependant, Démocrite était aussi une solution à cette question avec l'indice. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est lui qui affirme que la matière était indivisible. Il disait qu'elle était aussi composée de vide et de grains minuscules qu'il nomma les atomes, terme qu'on utilise toujours aujourd'hui. Julius va donc prendre la parole une dernière fois pour nous faire part de ses dernières informations. Combien est le diamètre d'un atome plus grand que le noyau d'un atome ? Je pense environ 1000 fois plus grand. Cette réponse est incorrecte, la bonne réponse était 100 000 fois plus grande. Donc effectivement, cette réponse était fausse, car le noyau d'un atome est très petit comparé à l'atome entier. Le diamètre d'un atome est 100 000 fois plus grand que le diamètre de son noyau. Tout de même, leur masse est presque identique. Eh bien, merci à tous pour vos interviews. Maintenant, je voudrais faire part d'une question que j'ai moi-même posée au CPE de l'établissement, Dominique Gérard, à propos de la composition de l'atome. Voici l'enregistrement. Bonjour Monsieur Gérard. Bonjour Mao. Pouvez-vous me dire de quoi est principalement constitué un atome ? De molécules. Satine, pouvez-vous commenter s'il vous plaît ? Très bien, la réponse de Monsieur Gérard est fausse. Comme indiqué auparavant avec Monsieur Villassa, ce sont les atomes qui constituent les molécules. Cependant, l'atome est constitué de protons et de neutrons qui sont situés dans le noyau et les électrons qui l'entourent. Eh bien, merci. Grâce à toutes ces questions posées, toutes ces interviews et toutes ces réponses, nous savons donc que les professeurs de notre établissement sont malencontreusement mal informés sur le sujet de l'atome, car la plupart des réponses sont fausses. La chimie étant une matière compliquée, possédant de centaines de formules et beaucoup de savoir à acquérir, la performance de nos éducateurs est relativement normale. Ainsi, l'épisode sur l'atome se termine. Je voudrais personnellement remercier tous les enseignants qui ont participé aux interviews, ainsi que ces trois élèves ayant fait beaucoup d'efforts dans cet épisode, afin de vous fournir quelque chose d'intéressant et digne de notre podcast. Merci à tous de nous avoir encore suivis, et à bientôt pour un prochain épisode.